Mec, prends tes petites Pringles parce que ce soir, c'est vidéo spéciale sujet. Paf tout le monde, ici Jergos. Ce soir, vidéo spéciale sujet, je vais nommer ça les sujets de l'argot, j'ai pas trop mieux comme tu dis, voilà. Voilà en gros. Et donc, par contre, reste à la fin des vidéos parce qu'en gros, il y aura un truc qui représente le sujet de ces vacances. Qui représente cette période de vacances, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau sujet nouvelle vidéo, les sujets de Joe Argos, hashtag, comment j'ai nommé ça. Et donc voilà, il y a une petite surprise que je vous réserve en janvier. Bon, je vais attendre qu'elle baisse un peu parce que elle est chère là pour l'instant, tu vois, en gros. Mais en janvier, je te réserve une petite surprise, voilà. Tu vas être content, tu vas voir. Donc voilà, alors, donc prends tes Pringles, ou tes 3D, ou ton kebab, ou ta pizza, je sais pas ce que tu manges, voilà. Et let's go pour un intro satanique. Oui, intro satanique. Oui, j'ai bien dit ça. Parce que j'aime bien ce qu'il y a en rapport avec les fantômes, le paranormal. Ouais, je dis pas le mot, ça me portait malheur, voilà. Voilà. Bref, intro satanique, let's go. J'arrête, son mec. Ah oui, au passage, pour le prochain gameplay, désolé de la qualité de mon micro. Et bon, je vais pas l'effacer parce que si je fais que ça, pardon, d'effacer les vidéos, c'est chiant, tu pourras pas les visionner. Ce qui compte, c'est pas l'important de la voix, c'est le jeu qui est important, tu vois. Mais parce qu'il me semblait bien que tu vois qu'en gros, sur OBS, qu'il y avait pas le son du micro était pas bien configuré. Et j'ai remarqué que quand j'ai débranché et rebranché le périphérique de mon micro, c'est là que j'entendais mieux ma voix, tu vois. J'ai rebranché, là, du coup, là, ça fait que t'entends mieux ma voix. J'ai eu mes problèmes tout à l'heure quand j'ai voulu commencer l'intro avec Vegas Pro, tu vois. J'ai commencé une phrase, je l'ai fini, j'ai stoppé l'enregistrement. Et j'ai remarqué que la qualité du son faisait comme si que ça le son, mon ma voix montait et se baissait jusqu'à être muet tout d'un coup, tu vois. Tu as compris, quoi. Mais là, normalement, le problème allait. Donc, du coup, ce que je vais faire avant de débuter le live, si le son refait pareil que là, tu vois, en gros, voilà, en gros, je testerai avant mon micro et voilà. Si ça bug pas, cool. Si ça bug, je verrai d'où vient le problème. Voilà, on pourra être sûr ce que je ferai prochain gameplay. Bah, en gros, ce que je vais faire, je vais ouvrir Vegas Pro. Et je vais faire comme si que je suis pas comme je parle là, tu vois. Mais sauf que c'est juste pour tester son micro pour le prochain live, tu vois. Enfin voilà, let's go. Bon, alors deuxième vidéo que je fais pour les vacances, du moins pour l'instant. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire pour les vacances? Ça va être simple, je vais faire du gaming, voilà. Mon but principal, c'est tu vois, le gaming, le mixage et tout, tu vois. Mais mixage, je veux dire un truc. T'es au courant, je touche 500 euros. Toi, en gros, je touche 500 euros par mois. Et donc, avec 500 euros, qu'est-ce que je fais? Je me fais des cafés, voilà. Je fais mon petit cappuccino Leclerc. J'aide ma mère pour faire les courses des fois, voilà. Étant donné que je touche, ça s'appelle la AAH. Et c'est dans les handicapés. Alors, tu vas me dire, ouais, mais dire que c'était chage, t'es handicapé. Non, non, je touche chage parce qu'en gros, je suis autiste. Autiste Asperger. C'est pas du tout un handicap mental. C'est différent en gros. L'autisme Asperger, c'est pas, d'après ce que dit ma mère, une maladie. C'est un trouble neurodéveloppemental, je crois qu'on dit ça, je crois qu'on dit ça comme ça, je vois. Donc ouais, apparemment c'est un trouble neurodéveloppemental, en gros c'est dans la tête, rien sur moi, rien sur mon corps, un autiste, tu vois, c'est... Tout est dans la tête, voilà. Et donc déjà, premier objectif déjà, me racheter un Evo, parce que le mien il commence à être un peu usé, tu vois. Ouais, parce que le mien, je vais dire, on va dire, quoi ça, il a, on va dire... Il a à peu près 6 ans en vélo, c'est un B-twin, et on m'a dit que pour pas trop cher à Decathlon, enfin, interface, excuse-moi, il n'y a pas de Decathlon dans ma vie, vu que je vis à Gonfreville de l'Archer, voilà.
Donc, Intersport me dit qu'il en était pas trop cher à Intersport. Donc, on va aller voir une fois que j'aurai 300 balles. J'attends d'avoir mis 300 balles sur mon compte. Pour acheter un vélo. Voilà. Pour acheter un petit vélo en gros en between. Ou... Voilà. Oh, j'ai la mèche qui me tourne les yeux, ça gêne. Oui, je vais devoir pour un between comme j'ai là en bas, tu vois, avec mon vélo. Il est un peu obsolète, donc bon voilà, mon vélo il est un peu vieux, voilà, donc même il commence un peu s'abîmer. Donc là, premier objectif, 1, économiser pour appel 5 pour me lâcher en loyer, 2, avoir 300 balles pour payer un nouveau vélo, et 3, et le fameux 3 les amis, je vais m'acheter une licence. Ou par contre, le truc il est bizarre là. Il me semblait bien qu'il y avait un problème, man. Donc voilà. Donc. non, très vite, un peu de trace pour ça. Bon. Donc, troisième objectif après le 1, m'acheter la PS5, premier objectif, le 2, le vélo, et le troisième, m'acheter une licence VDJ 8 Pro. Donc alors, faudra que je me renseigne parce que j'ai jamais opté pour avoir la licence officielle du site officiel de Virtual DJ 8. Voilà, en gros, faut que je me renseigne, voilà, en gros. Parce que je sais pas s'il faut que j'associe ça. J'associe ça à mon compte Google. Ou si en gros, c'est lié ouais, je sais pas en gros. S'il faut un compte Google pour associer à la licence. S'il faut un tel compte machin truc pour quoi, un compte VDJ8, me craint un compte VDJ8. C'est compliqué. Faut que je voie ça avec un pote qui a acheté la licence, je crois. Mais peut-être, parce que tu vois, quand j'ai acheté la licence, c'était il y a un bout de temps de ça. Oui, je sais, t'aimes pas que je craque les doigts, c'est fait exprès, tu vois. Donc, déconne. Je sais que t'aimes pas quand je craque les doigts, je sais. Donc voilà, mon pote, on va se renommer sous le nom de Raticut. Acheté il y a 30 ans, il y a à peu près, je sais pas, mixé en gros, il y a à peu près ça de. Il y a à peu près 10 ans, en gros, oui, parce que avant ça s'appelait Virtual DJ 8, ça s'appelait Atomix Production. Donc voilà, il a acheté licence il y a très longtemps. Donc c'était sous le VDJ 6, 5, 4, tu vois, en gros, les vieux VDJ, tu vois. Ouais, et t'en as beaucoup qui mis sur stage, j'ai vu en gros. Attends, deux secondes. J'ai vu dans des émissions télé que dans les émissions télé, ils mixaient avec des CD, les vieilles platines de 2013 et tout, tu vois en gros. Les vieilles platines, voilà. Le VDJ 7, voilà. Moi, étant donné que j'ai commencé à mixer vers 16-17 ans, j'ai pas connu le 7. J'ai pas connu le 7. J'ai commencé à mixer en gros, le 8 était sorti. Mais pour ceux qui connaissent le 7, voilà, c'est moins expérimenté que le 8. Parce que le 8 t'as plus de trucs, t'as tout ce qu'il faut, voilà. Récemment, j'ai sorti un nouveau son sur YouTube pour ceux qui me maltraitent sur YouTube, sur ma chaîne Joe Cole, pas sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne Joe Cole, tu peux aller voir un truc. Voilà. Mais là, pour pourquoi je veux m'acheter la licence pro? Parce que je veux mixer avec des platines, j'en ai marre de mixer à la souris au clavier, voilà. J'en ai marre de mixer avec ça. C'est pour ça que je m'achète la licence. Essentiellement pour les platines. Parce que j'en ai une que tu m'as donné à Raticut. Et j'en ai une autre que j'ai acheté moi-même. Une petite mixette. Pas les grosses VDJ Pioneer, tu vois. Pas les Pioneer, mais les RQDG Control Instinct. Voilà, la P8. Deuxième sujet. Vous êtes au courant que je suis en vacances de Noël, que j'ai dans mon dernier live que j'ai fait des tards sur YouTube, voilà. Donc voilà, en gros, je suis en vacances de Noël. Et donc, quels seront mes principaux objectifs? 1. Pouvoir vous donner un max de plaisir gaming, il y en a eu retard, je sais. 2. Il y aura un projet spécial Noël. Donc abonnez-vous à ma chaîne
sur l'Argos et activez la cloche des notifications, c'est très important pour ne rien rater de mes vidéos. 3, il y aura peut-être comment dire ça, une vidéo spéciale réveillon, c'est un réveillon et tout, la jour de l'an, le réveillon, le jour de Noël. Le réveillon, c'est la veille de Noël. Après ta Noël, après ta réveillon. Donc ce que je vais faire en gros, comme j'ai le matos pour faire du montage vidéo ailleurs que dans la maison, je vais emmener mon ordi portable sur mon convertisseur. Par contre, t'attends pas à ce que ça soit du son, pur son high-tech, j'ai de la merde, tu vois. Donc t'attends pas à ce que ça soit une très bonne qualité de son quand je parle dans le micro, tu vois, avec Vegas Pro, parce que ce sera avec mon ordi portable. C'est quoi la différence? Te courant ça, c'est beaucoup plus puissant. Te courant que ça, ce truc-là, c'est plus puissant, mon gars. Compare ça avec un PC portable Asus VivoBook 17. Conclusion, ce n'est pas la même qualité. Voilà, c'est un PC portable parce qu'en gros, voilà les PC portables. Si tu parles dans un micro, que ce soit avec M100 Replay, Vegas Pro ou je ne sais quoi, la qualité est merdique. Ça se fait avec n'importe quoi. T'as bien avoir un Blue Yeti, je sais pas trop quoi, comment t'appelles ça. Ta qualité de micro sera merdique avec un ordinateur portable. Ta qualité de micro sera merdique. Par contre, ce qui est bien, ce qui est très performant, que ce soit pour Vegas Pro, télécharger logiciel, voilà. Sa qualité, c'est la performance et le téléchargement que ça prend. Voilà, les performances, c'est-à-dire quand tu ouvres une page, ça prend un certain temps, t'es d'accord. Donc voilà, c'est ça sa qualité. Je suis en train de chercher un sujet, mais je trouve pas. Troisième sujet, tout en gros, voilà, je vous ai parlé quelque temps de Forza Horizon 4. Donc alors, gros, je t'ai dit que si le Forza Horizon était pas trop cher, c'est-à-dire vers les 20-16 euros, parce que le jeu il date quand même de, je sais pas, 2017, de ça doit être 2017, voilà. Enfin, tout court, j'ai sorti le prix en 2017. Donc voilà, je vous ai parlé d'acheter Forza Horizon 4, sauf que Black Friday, il était un peu cher, donc voilà. Tout court, j'achète des jeux pas chers. Après, tu vas me saouler. Ouais, c'est-à-dire que acheter une nouveauté, t'as un salaire, maintenant, tu peux te faire plaisir. C'est pas question de me faire plaisir, mec. C'est pas question de me faire plaisir. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. T'es au courant que j'ai 20 ans. Je suis plus un ado. Voilà, un ado de 14 ans, voilà. Donc, voilà. Je vais te dire un truc. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Sur la PS1. À Sonic CD. Ou je sais plus, Hedgehog, je sais plus. Les tout premiers Sonic sortis en 1996, voilà. Donc voilà, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Et donc, voilà, j'ai commencé à jouer à ces premiers jeux. Je me rappelle quand même, on jouait un jeu qui s'appelait Ridge Racer. Pour ceux qui ont connu, c'est les... C'est pas des voitures réelles, mais... Des voitures qui n'existent pas, voilà. Donc voilà, moi je jouais à Ridge Racer. Et à un moment, je me rappelle avoir joué à... Resident Evil Outbreak. Ouais. Donc en gros c'était la scène. Excuse-moi. La scène, tu commences dans un bar. Ouais, t'es chill, tu rembords ta bière, voilà gros. Et tout d'un coup, t'as une horde de zombies qui débarque. Et je me rappelle que jouais une fille qui avait les cheveux carrés comme ça, tu vois. Voilà. Et donc t'avais pas d'armes. Ouais, tu te débrouilles avec tes points en gros. Donc moi, jeune comme j'étais, il avait quoi? J'étais à Harfleur, on avait commencé les ménages à Harfleur, c'est qu'il a... Déjà, j'étais à Harfleur, j'étais même pas à Pablo déjà.
Donc voilà, jouais à quoi 6-7 ans. Enfin, le thug. Je suis à Tebi à 6-7 ans, mon gars. Le thug. Non, c'est vrai que... En gros, je jouais à Tebi à 6-7 ans. Donc, je me rappelle, j'échoue le niveau en gros. Et tout ce que je me souviens du jeu, c'est l'histoire de jouer la fille et tout, tu vois. Être dans un bar et tout, qu'une horde de zombies qui débarque, voilà. Donc voilà, joue la fille, je meurs, sur le coup, ça marque, en gros, tu vois, t'as des traînées de sang qui coulaient comme ça, en marquant le mot meurt. Tout d'un coup, ça fait comme si c'était les vérités, tu vois. Comme ça, tu vois. Donc voilà. Voilà. Et donc, en revenant au sujet du gaming, j'ai joué à Overblood. Avec ma mère, donc c'était sur la PS1, je crois. On m'avait acheté la PS2 en Noël ou mon anniversaire, je sais plus en gros. Tout ça, c'était à Harfleur, les vieilles maisons des années 2000. Bon, peut-être plus vieux que ça en gros. Donc, on m'avait acheté la PS2 pour un Noël. Donc, voilà. Et au courant que ceux qui ont connu la PS2, que les PS2 prenaient les jeux PS1. Voilà, ce qui était cool. Bon, ce qui n'est pas logique de la PS3 à la PS4, voilà. Enfin, ce que je parle. Si la PS4 pouvait prendre le jeu PS3, ce serait cool, tu vois. Pareil, par la PS3, le jeu PS2, et voilà, tu vois. Et le PS1 aussi, tu vois. Voilà, en gros. Donc voilà, on va acheter la PS2, en gros. Ce que j'ai fait, pour ceux qui n'ont pas connu la PS2, t'avais une carte mémoire et tu devais sauvegarder pas automatiquement comme sur la PS3 et tout, tu vois. Fallait que tu sauvegardes manuellement. Et donc je me rappelais, sur la PS2, t'as une carte mémoire que tu enfonçais. Et quand t'es dans le menu démarrer, t'avais un menu pour démarrer le jeu et un menu pour aller voir tes sauvegardes. Et tu pouvais même supprimer les sauvegardes si t'avais plus de place sur ta carte mémoire. C'est vraiment, t'avais de la place sur la carte mémoire. T'avais quoi à l'époque, c'était pas assez sophistiqué, c'était 16 gigas minimum, tu vois. Et pour ceux qui ont connu la saga Ratchet & Clank, à l'époque, je me rappelais, j'étais à l'école, je reviens de l'école, ma mère a fait une surprise, en achetant, sans, j'avais découvert Ratchet & Clank chez mon oncle Nanou, il avait la démo, elle m'avait acheté sur PS2 le jeu complet de Ratchet Gladiator. En gros, t'as pas Clank, Clank c'est un peu ton gérant informatique, tu vois, dans le Gladiator, tu vois, et donc voilà, ça fait que voilà, en gros, voilà, c'est un peu le gérant de l'informatique et... Je sais pas, t'as un autre personnage. C'est pas un Bax ni un alien, c'est à peu près comme si c'était un chat, mais pas de la planète Terre, tu vois. Et donc en gros, dans Rachel Gladiator, t'avais des assistants robotiques, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, t'as des assistants robots qui t'aident à combattre les aliens robots, les robots zombies, civilistes. Et en tout cas, je crois que t'avais réacteur, je crois, verminateur. T'avais 3-4 buzz en jeu, mais quand même, le jeu était long, tu vois. Et au fur et à mesure, tu pouvais faire évoluer une fois atteint le niveau max de tes armes. La vague, en gros, petit exemple, le duo de vipère dans le gladiateur, Rachel Gladiateur, tu pouvais le faire évoluer en duo de rapace une fois qu'il aura atteint son niveau maximum. Pareil, t'avais possibilité de faire des armes, alors je me rappelle, t'avais un espèce de petit pistolet qui lançait des bombes, ça faisait crum, pouf, après c'était toi, ça explose, tu vois. Tu vois, en gros, c'est un vrai genre comme ça, tu vois. Et t'avais possédé, je crois, si d'avoir la clé en feu. Alors, je présente en gros son arme principale à Ratchet de main, c'est la clé. T'as une clé qui peut. Tu fais ça comme ça, tu vois, et ça blesse les ennemis, tu vois. Et voilà. Donc voilà. Et avec, t'avais des armures que tu pouvais améliorer. Enfin, t'avais beaucoup de types de différentes armures. T'avais plein de types d'armures. Une armure noire, une armure verte, une armure rouge, une armure
bleu, une armure orange, voilà. T'avais plein de couleurs d'armure, voilà. Et plus t'avançais en jeu, plus les armures te rendaient fort. Enfin, plus les armures tu gagnais, te rendaient solides. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends la première armure que t'as au tout début et que t'es au niveau, je sais pas, et que t'es au niveau 40 du jeu, ou 50, je sais pas, et bah tu vas te faire démolir ta race. Voilà, donc c'est dit. Ce que je te conseille pour ceux qui jouent encore à la PS2, et non, je suis pas au fond, comme l'autre qui me dit, ouais, retourne à la PS2 au fond. Mec, c'est pas parce que t'as la PS2 que t'es un bouffon. C'est pas parce que t'as la PS2 que t'es un bouffon. Regarde, tu connais Asterion? Asterion, le youtubeur. Bah oui, il a tout type de console. PS1, PS2, t'as... il a tout. Est-ce que c'est un bouffon d'après toi? Non, juste il est célèbre. Merci. Donc voilà, en gros, voilà. C'est à peu près tout. Du coup, je pourrais raconter d'autres. J'avais aussi un autre jeu, c'était, je sais pas si t'as connu, la toute première version d'NFS Carbon. Celle que t'as vu sur ma chaîne YouTube, c'était la dernière version. C'était la version un peu making of PS3, tu vois. Et t'as la making of PS2, on va dire. On va dire ça, on va appeler ça comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais on va appeler ça comme ça. T'as la making of PS2. C'est-à-dire que les personnages, quand tu roulais avec ta voiture, tu pouvais pas faire comme si t'étais dans le rail. Tu discutais fenêtre à fenêtre de la voiture, tu vois. T'avais juste cinématique des mecs. T'avais pas les menus qui... Les cinématiques qui... Que tu vois, le mec pousse sa fenêtre, tu vois. Et qui te parle, tu vois. T'avais juste cinématique. Alors sur la PS3, t'avais ça, tu vois. Voilà, je... Désolé. C'est les Pringles. J'espère que t'auras aimé cette vidéo un peu... Blablata... Blablating. C'est un peu du blabla avant, on va faire comme ça. Hein. Blablating, c'est pas français, ça existe même pas d'ailleurs. Comme Yervé, t'inventes des mots, tu sais pas parler. Bah écoute, non, non. Juste que je sais pas comment appeler ça, c'est tout. Sinon j'invente pas. Oh oui, j'invente un peu, oui. Mais voilà, je peux pas les bons mots. Je cherche des mots à ma façon, tu vois. Bon. Bref, c'est yo, j'aimerais les sujets de Joe Dark Ghost. Et regarde la description. Parce que je t'ai dit, si t'as bien écouté la vidéo en entière, il y aura une surprise. Il y aura une surprise. Donc voilà. Cette surprise, ça sera quelque chose que j'ai testé dans la vidéo. Voilà. À toi de deviner. Bah voilà, en gros, je te réserve une petite vidéo au réveillon de Noël, que d'ailleurs, je publierai chez mon grand-père, voilà. Donc voilà, en gros, en espérant que la connexion de mon grand-père, parce que lui, je sais pas, il a la Freebox, il a pas la fibre optique, je crois, je crois pas qu'il ait la fibre, voilà. Il a pas la fille, non, je pense pas qu'il ait la fille, c'est pas grave. Pareil comme le jeu de toute façon. Voilà, j'espère que t'as aimé, n'hésite pas à liker, t'abonner, lâcher un com. Le plus important tout ça, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. Le like, le com, tu t'en fous, si tu veux, tu peux le mettre, voilà, si tu veux. Mais le plus important, c'est l'abonnement et la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. D'ailleurs, c'est quoi, j'ai même pas bu mon thé, je l'avais complètement oublié. Voilà, en gros. Sur ce, bah, je vais faire le montage. Je vais essayer de le publier ce soir. On verra bien, en gros. Parce que là, je pense que mon grand-père, ça va être chaud pour lui chez mon grand-père, tu vois. Ouais. On va faire le montage, en gros. Voilà. Pour ceux qui se demandent avec quoi je filme avec mon téléphone. Avec un trépied qui t'accroche à mon téléphone, tu vois.
Fait, moi, je suis pas genre à dire ouais, t'as vu, j'ai un iPhone, tu as la mode. Non, non, moi je m'en fous, t'es un mode ou quoi, en gros. Moi, en gros, tu peux me dire t'es démodé, retourne à la place de bouffon. Moi, je m'en fous d'être à la mode, je m'en fous de me dire qu'on me dise ouais, il y a des modèles chez ton iPhone, ou je sais pas trop quoi, ou achète-toi la dernière console, machin, truc, je sais pas trop quoi, je m'en fous d'être démodé, ok? J'ai un Asus Zenfone Max Pro, où est le problème? C'est un très bon téléphone, moteur Snapdragon, 5000 mAh, 64 Go, ça me suffit largement, ok? On peut me dire t'es démodé, chez ton iPhone, t'es pas à la mode, je m'en fous, ok? Je m'en fous, en gros, j'ai un Asus Zenfone Max Pro. Il est très bien comme il est, c'est bon. Ouais, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu passes pas d'iPhone? Parce que j'aime pas les iPhones déjà. J'aime pas les iPhones. Les iPhones, ça bug tout le temps. Enfin, du moins, ce que j'ai pu remarquer chez ma cousine qui avait demandé à Paris. Parce qu'en général, elle avait son iPhone 6, que son. Il y avait un mec à ma tata qui était à un moment avec, tu vois. Et donc, l'iPhone 6 venait juste de sortir. Et son mec, il a acheté l'iPhone 6 à ma cousine. Enfin, le mec à ma tante a acheté l'iPhone 6 à ma cousine. Donc voilà, en gros. Et ce que j'ai remarqué depuis que j'ai connu l'iPhone, en gros, c'est qu'en général, ça bug. De deux, c'est pas modifiable les paramètres, tu vois. Tu peux pas modifier, genre. Parce qu'il paraît que le sur l'iPhone, c'est déjà complet. En gros, tu peux pas modifier les paramètres. Alors que l'Android, tu peux modifier tout. Tout. Ton empreinte digitale. Je sais pas. Moi, je suis nul aux questions de téléphone, je suis nul en gros. Ceux qui sont sur les téléphones, ici qu'on explique moi, moi je suis plus PC, tu vois. Enfin, tu peux, en gros, tu peux modifier tous tes paramètres comme tu veux sur ton téléphone. Tu veux mettre un code sur ton téléphone, tu peux. Tu veux modifier ton empreinte digitale, tu peux. Tu veux modifier, tu veux craquer un logiciel, tu peux. Sur les iPhones, t'as pas beaucoup de cracks. Ce que j'ai connu d'Apple, apparemment, ce qu'on m'a dit. Sur les Apple, t'as pas beaucoup de crack. En vrai, les mieux c'est Android pour faire les montages, tourner les vidéos, avoir MobiZen pour tourner les vidéos sur ton téléphone, pour les filmer ton écran de téléphone, tu vois. Ouais. Donc, c'est juste pour vous dire, me dites pas, ouais, t'es démodé, achète ton iPhone, parce que non, j'ai un Asus Zenfone Max Pro et je changerai pas, ouais. Je viens de te dire tout à l'heure, enfin. Désolé, j'ai mal parlé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas. Très important, le like, le com, on s'en fout, voilà. Tu t'abonnes, t'actives la cloche pour ne rien rater, voilà. Et il y aura une vidéo spéciale Noël qui sera à Noël. Voilà. J'essaie de faire plus vite pour plus vite possible en gros. Voilà. Sur ce, bonne soirée à toi. Et à plus pour un nouveau gameplay, on verra bien. Ciao.